Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starbound. Alors, je vais me téléporter tout de suite sur là. Et je vais aller vendre déjà tout le fatras que j'ai sur moi. Ce qui me permettra normalement d'acheter l'amélioration, ou la licence, en tout cas, pour le prochain vaisseau. Donc ça va être la toute première chose que je vais faire. Donc il manque un peu d'argent, mais c'est prévu. Je vais vendre tout ça qui devrait me faire largement assez. Voilà, il me manque 400 d'or et je vais gagner 3000. Je vais acheter la licence. Voilà, il me dit de qu'y aller avec 6 manipulateurs modules. Je les avais pris sur moi, donc ça va être bon. Je vais aller voir dans mon vaisseau à quoi ça ressemble. Bon, je vais commencer par ranger ceci. Où est-ce qu'ils sont? Donc en fait, ce que j'ai gagné une ouverture ici avec une petite salle. Je vais peut-être y déplacer ma salle au trésor. Ça me paraît bien. C'est un peu difficile d'accès. Ça fait c'est correct pour une salle au trésor du coup. J'ai gagné également une salle ici, une double salle même, je dirais, parce que c'est l'équivalent d'une salle comme ça mais x2. Voilà, à l'arrière, ce qui a augmenté. Je crois que j'avais qu'un thruster ou deux thrusters. Maintenant, j'en ai trois. Je vais pas plus vite, ça consomme pas plus de carburant. C'est juste joli. Ça améliore le niveau du vaisseau. Et donc, je ferai tout ce qui est travaux la prochaine fois. Je vais d'abord aller voir Esther. Et je vais même d'abord, par souci de confort financier, transformer tous mes sous. Parce que je vais aller faire une mission que j'espère réussir du premier coup, mais qui risque d'être un petit peu compliquée. Donc pour être sûr de ne pas perdre de sous, ou le minimum, parce que j'ai plus que 248, je vais faire ça. Ah, j'ai ma salle de pilotage qui a été agrandie aussi. J'ai faim, je ne vais pas manger tout de suite, parce que je n'ai plus grand-chose à manger. À la place, je vais aller faire la mission, et normalement, quand on fait cette mission-là, on n'a plus de... Notre barre de faim descend plus. On va vérifier. Et bon, si elle descend, il me reste du chocolat, donc je mourrai pas de faim pendant la mission. J'ai 4 barres, ça sera peut-être un peu juste, mais ça sera suffisant pour faire la mission. Elle me dit, j'ai peur que l'artefact Apex soit dans un Mininog Stronghold. Stronghold, ça doit être un château fort, je crois. Mininog, c'est une race. Ça va être dur d'accès. Faites attention quand vous y allez. Les Mininog sont viciés. Et donc, je vais me téléporter directement dans mon vaisseau et demander à Sail de me l'envoyer sans plus tarder avant de mourir de faim. Mininog. Je crois que les Mininog, c'est des singes aussi comme les Apex. Alors pourquoi ils ont un nom différent? Ok, j'ai encore faim. C'est la mauvaise nouvelle. Bah, je vais manger un bout de chocolat déjà. On va voir si la faim descend ou si c'est juste que ça stagne et que j'avais déjà faim. Et je vais en profiter pour récolter ça. J'ai des bananes. Des cacao pods. Alors c'est par là et effectivement ça ressemblait à un singe. Donc je vais d'abord aller de l'autre côté. Voir s'il n'y a pas quelques fruits. Non, juste une petite caverne. Par là rien non plus, par là rien non plus. Bon, je vais pas aller plus loin. C'est clairement le bord de la carte. Mmh.
soldats dans les tunnels et qu'il y a des balles qui leur arrivent dessus et eux qui se font. C'est sûrement des apex en fait et qui se doivent être en train de prendre d'assaut. La forteresse. Une attaque rebelle contre les mineurs. Ça va tout être avantageux. Je peux pas y aller. En plus mon épée de flamme me luit un peu dans la. Là je l'ai pas, là je l'ai. C'est clair un peu plus loin. Ok, ça sent pas mal. Ça va. Bon, il me dit que les scans indiquent que la. Et que il patrouille sur tous les niveaux et ensuite il me dit tiens mon scan a découvert un nouveau garde et encore un, donc si c'est un nouveau je peux imaginer qu'ils sont en train de se téléporter peut-être. Ah, ils avancent, ils se prennent des dégâts donc ils me ah quand je suis passé ça a ouvert la porte et donc eux ils ont pu passer aussi. Là je me serais fait tirer dessus. Il y a une manette ici, voilà, je l'ai déjà utilisé. J'ai juste esquivé un garde et je n'ai rien esquivé du tout parce que j'étais obligé de passer. Là, il y a un garde ici aussi. Bon, on va déjà s'occuper de celui-ci. On va essayer comme ça. Voilà. On va essayer comme ça. Ça va être très dur de faire ça. Du coup, je peux tirer. Ah, voilà. Ok, c'est très long, c'est pas très intéressant. On va sauter. Je t'ai vu. Il y avait un. Un levier secret. Avec une armure de torse pour minimum. Non. Alors, je peux passer en wire pour voir. Oula, tout est connecté. Ça c'était connecté à autre chose. Faut que je passe ici, je pense. Donc ça doit être connecté. Attention. Ça doit être quand j'ouvre le bouton là-haut. Je peux pas passer ça. Là, il y a une porte aussi. Pas du tout des boutons pression, ça si hein. C'est quand je me clique dessus ça non. Center of attention. Ah, je peux pas faire de feu dans l'eau, c'est bien fait ça. Ok, alors. Ah bah y'a un bouton ici. C'était un bouton, je ne l'avais pas remarqué.
ouvert cette porte là. Ça m'intéresse moyennement. Ça m'intéresse moyennement parce que je ne peux pas y aller. Ah si, ça s'est ouvert ici, d'accord. J'ai ouvert là, ça. Ça va ouvrir ici, je vais aller voir ce qu'il y a là quand même. Là on voit avec la torche, il y a des petits boutons, c'est parce que tout est relié à ça. Ça fait partie du système de wire que je n'ai toujours pas expliqué. Mais on commence à avoir un grand vaisseau. Il est possible qu'avec un grand vaisseau comme ça, vu qu'on commence à aussi avoir beaucoup de ressources et que on a notamment des composants électriques qui tombent. Il est possible que je m'en serve bientôt. Là, c'est fermé, je suppose qu'il va falloir que j'aille ici. Ça. Je vais avoir ouvert la porte en dessous. Il n'y a plus rien là-haut. Il me dit qu'il y a une barricade. Arrête de me parler pendant que je me bats. Il y a une barricade, mais si je coupe le courant, ça devrait couper la barricade. En même temps, il applaudit ma ténacité. Ah oui, d'accord. Eux, c'est pareil. Ah tiens, la vitre est brisée ici. Pourtant, c'est à l'intérieur de chez eux. Et eux, ils attendent. Ils sont plus que trois. Alors je suppose qu'il n'y en a qu'un qui survivra à la fin, sûrement celui qui nous a parlé avec la balafre. Et c'est lui qui nous rejoindra dans le vaisseau, enfin dans le vaisseau. Oh. Danger. Donc c'est par là que je veux aller. Parce que là c'est fermé évidemment. Il y a des formes de vie bizarres au fond du labo. Les singes mutants. Je le veux. Je peux pas le prendre. C'est quoi ça? Des racines. Apparemment c'est un peu à l'abandon. Ah par contre c'est mouillé. Il me tire dessus. Oh il m'a fait hyper mal. C'est mouillé et du coup... Ah, il m'a fait hyper mal, c'est juste que... Ah tiens c'est rigolo, j'ai l'impression que les déplacements ici en haut. Hop, un peu de soin, ça fait du bien. En plus du coup, est-ce que je peux utiliser ceci? Oui, je le peux. Je vais donc le faire pour voir les ennemis approcher. Une porte, c'était une baie d'observation. On est autour ici. Ça a l'air électrifié quand même, mais j'ai peut-être coupé le courant. Voyons ce que ça donne. Ah, j'ai ouvert les portes ici, ce qui me permet de couper le courant là. Ouais, c'est tout ce qu'on sauve, hein. Et lui il se prend pas de dégâts, donc c'est bien ça. Il va les tuer, il va continuer. Il y a l'hologramme qui vient de disparaître.
contrairement au dernier, cet hologramme ne peut parler pas du tout. Il y avait un coffre ici, j'ai pas été le chercher. Je peux revenir en arrière? On peut me rouvrir? Ah, je peux pas revenir en arrière. Bon, bah tant pis, j'ai raté un coffre. Oula. Sans cesse, sûrement que je passe. Et ça me fait tomber. Pas sans cesse, il y en a eu deux là au lieu de un. Il y en a deux là-bas. Quelque chose à faire. Ah, il y a une là, je crois qu'il est en train de se charger. Ils meurent vite et en plus ils font du loot. Voilà, c'est chargé à fond, ça doit être ouvert. Bonjour, petit hologramme. Jusqu'ici, mais qu'à partir de là, je dois faire attention. Je mets les coudes. Ok, lui, je sais pas, il se genouille devant moi, c'est ça? Il est... Ah non, il est blessé. Il a besoin de que je finisse ce qu'ils ont commencé. Bien sûr. Ouais, donc les mininogs, ça a bien l'air d'être ça. Hein. Elle a parlé de Big Ape, qui est le grand singe. Qui... Et la région de tout, c'est le pendant de Big Brother. Ok, et ça c'est le boss. Machin là qu'il faut toucher. Allez, on y va. On se soigne d'abord. Je vais changer de soin aussi. Je vais prendre les gros soins pour le boss. Ça a l'air d'être des petits canons. Hein. À mon avis, ça va me tirer dessus. Alors, les gros soins. Il y aura de gros bobos. Je vais mettre ça à côté. Plutôt à gauche. Je vais sûrement clic gauche. Donc dans ma main. Non, c'est le. Big Ape. Wow. Ah oui, quand même. Attention. Très bien. Heureusement, je réapparais sur la petite baline. Ouais, ok, bon, donc à l'intérieur du fort en lui-même, il n'y a pas d'ennemis. Parce que, vous avez entendu, ils ont été tués par eux. Oh tiens, il y a une statue ici. Là. Par contre, là, l'ennemi est très méchant. Alors il faudrait que je sois plutôt au milieu quand c'est les... Ah,
bon moment. Ok, c'est vraiment... C'est vraiment les lasers qui vont poser problème. Ah oui, il y a une utilité, ça c'est bon. Ah, il y en a plus qu'avant. Souris à peu près dessus comme ça tourne. Peut-être lui que je devais viser, pas les petites... Je sais pas. Ok, il est cassé, je suppose qu'il faut que j'aille par là. Il n'y a pas quelque chose d'intéressant dans la salle. Alors, je vais remettre les anciens soins. Ah, j'en ai quand même 72. Donc, je vais finir cela et après, je vais pouvoir passer sur les vrais soins qui me soignent vraiment. Parce que là, c'est vrai que j'étais un peu... Ça ne me soignait plus énormément. Alors, j'ai eu un pistolet, une dague, qui m'intéresse pas pour attraper des animaux. Ah, lui, il arrive de nulle part. Ah, le ministère de l'agriculture. Bien joué, soldat. Qu'est-ce que c'est, cette chose brillante et vraiment distrayante. Oh, c'est pour ça que vous êtes ici, bah, prenez-le. Que j'ai gagné son assistance et que il a des compétences qui pourraient m'être utiles. J'ai récupéré une clé qui ressemble un peu à un brin ADM. Et lui, il vient d'où? D'où tu viens, monsieur? Tu viens d'un endroit qui n'existe pas. Il n'y a rien par là. Tu t'es téléporté. C'est facile en se téléportant. Mmh. Je vais vous virer de l'autre côté. Et voilà, il vient de se aller. Il s'appelle Lana, donc c'est peut-être une fille. Et donc je suis de retour, je vais remettre mes torches. Je vais remettre mes torches qui sont là normalement, mes torches. Hein. Où sont mes torches? À leur place, ma faim est remontée à fond. Ça va aller le coup de ne pas trop manger. J'ai juste enlevé le mic en fait. Et j'ai gagné le succès, le résilient. C'est lui, hein, c'est pas moi. Oh, je suis tellement contente que notre groupe grandisse. C'est pas notre groupe déjà, c'est mon groupe. Et en plus, c'est des gens qui traînent là sur la base, je les vois jamais. Que nous gagnions, enfin que nous assemblions des alliés en même temps que les artefacts. C'est presque comme démarrer un nouveau protectorat. Ouais, t'emballe pas. Hein. Alors elle me dit c'est excellent. Tout ce que vous trouvez permettre d'échafauder une théorie. Alors, maintenant que nous avons trouvé l'artefact glitch. Maintenant, nous allons trouver l'artefact glitch. Les glitchs ont tendance à résider sur les planètes avec beaucoup d'activités volcaniques. Ils ont l'air de trouver ça vaguement confortable.
planètes volcaniques sont, apparaissent autour des Fairy Stars, donc des étoiles flammées, des étoiles fiery. C'est le meilleur endroit pour chercher des indices. Voilà, et puis elle me dit pas sous-estimer les glitches. Et elle me dit que j'ai déjà trouvé quelques items glitch. Apparemment j'ai scanné des items glitch qui font que ça a déjà, c'est déjà un début. Et bah j'ai envie de dire tant mieux. C'est ça de gagner. Ça me fera peut-être qu'une seule visite, une planète à visiter au lieu de 43. Voilà, voilà. Alors, ça c'est à vendre, ça c'est à vendre, ça, regardez. Ça c'est à ranger au coffre, ça aussi, à vendre, à vendre, à vendre, à ranger, à ranger. Ok. Eh bien, je vais quand même aller lui parler pour voir ce qu'il me dit. Il lui va me donner, voilà, un bonus de rage. Je suis enragé. Est-ce que je peux voir quelque part ce que ça fait ? Pas du tout. Alors, pas par là, peut-être de l'autre côté. C'est pareil, le Aylot, là, je l'ai pas vu ici. Est-ce qu'il est de l'autre côté, vu que j'ai jamais été, donc je me suis pas rendu compte. Oui, exactement, et il donne des quêtes en plus. Et il y a lui. Ah, il vend des augments. Ah, mais par contre, il me les vend, il me la donne pas. Hein. Bah donc, déjà, je vais lui vendre ça. Voilà, je prends un peu d'argent et ils vendent des augmentations. Donc ça, soit ça qui permet de faire une douce lumière, une lumière tamisée. Soit ça qui est un heal. Oh, le heal, c'est très intéressant. J'aime vraiment le heal. Bah donc je pourrais lui en acheter un. Et ça, par contre, le heal et le light sont en 1, l'énergie est en 3. Et c'est plutôt le heal qui m'intéresserait à haut niveau. Mais déjà, déjà il en vend un, c'est déjà bien. Et donc le Hilot, là, je pensais ouvrir un musée. Pensez-vous que les Floranes aiment les choses comme ça? J'aimerais vraiment connaître Nourou mieux. Nourou, c'est la Florane qui est de l'autre côté. De toute façon, j'ai besoin d'exhibits, je suppose que c'est une salle d'exposition. Ou peut-être des choses à exposer, carrément. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rapporter un grand sarcophage à Vianne? Ah bah c'est dommage, parce que j'en ai croisé plein dans les temples à Vianne. Bah je vais accepter, hein. Il me donne light, ouais. Bah je vais accepter, puis, si j'en croise, je m'arrêterai, si je m'arrêterai de trouver un sarcophage. C'est pas très grave, là. Voilà, me revoilà dans mon beau vaisseau. Je vais ranger tout ce qui peut l'être. C'est quoi, Minilog Report, Content Page. Hop, des disquettes. Report and Rebel Bailes. Et je vais poser ça. Voilà, ainsi que ces deux items, et il m'en manque un, mais je pourrais refaire éventuellement la mission. Le marteau, il faudrait peut-être que je le vende parce que je l'utilise plus du tout. Ça me fera un peu de place, et je crois que je vais vendre l'épée aussi, parce qu'au final, celle que j'ai me convient parfaitement. Et je vais peut-être vendre le fusil d'assaut, je vais vendre le fusil d'assaut. Et au pire j'en retrouverai un. Voilà, je vais faire un peu de place. Ça sera un peu plus propre. Et voilà. Alors, je vais hop, transformer ça parce que j'aime pas avoir de la monnaie comme ça. Je vais les transformer. Hier, je crois que j'avais fait des 5. Je vais le transformer en 10 tout de suite. Et
sauf quand je fais des boss comme ça, je transformerai que les 10, j'attendrai pas. J'attendrai d'avoir 10 000 pixels pour faire un voxel. Je m'embêterai pas. À faire à chaque fois des petites monnaies, des petites coupures comme ça. Hop, de toute façon, ça va assez vite d'avoir 10 000 pixels. Là, il me reste 800. Il me reste rien. Si jamais je tombe sur une arme, je ne pourrais pas l'acheter. Mais de toute façon, il n'y a que ça que je pourrais vraiment améliorer. À mon avis, ça, c'est déjà le plus haut niveau. D'ailleurs, j'en suis où? 52, 36, 24. Donc, je peux en faire plus ou moins 25, 26 en fait ici. Une quinzaine là et une dizaine là. Ça c'est le violéum, ça m'intéresse moins. En EJS salt ça peut être intéressant. Peut-être le violéum apparemment. Hein. D'après ce qui est marqué là, non, c'est pas du. Ça c'est en violéum. Ah, mystérieux matériel, peut-être pas. Ça ils disent que c'est fait en violéum et j'ai plus de santé qu'autre chose. Plus de santé que d'énergie en tout cas. Donc le violium ça serait la santé. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, d'autant plus si j'ai de la régène. Je préfère de la régène à de la santé, quitte à me planquer un peu. Et donc il me reste l'agisalt ou le ferrosium. Le ferrosium je crois que c'est les dégâts. Ça pourrit toujours pas, et ça c'était déjà en train de pourrir, mais ça pourrit pas. Ça par contre c'était pas jaune, je ne crois pas. Je vais mettre le jaune là. Voilà, tout le reste c'est vert. Non, ça c'est jaune aussi. Voilà, on va voir. Si un de ces éléments passe jaune, c'est que ça pourrit quand même, mais lentement. Si un de ces éléments passe rouge aussi. Oh, j'ai du cacao. Des bananes et du cacao, je peux pas faire des bananes flambées. Bananacon, il me faut du bacon et des bananes. Je peux faire du chocolat et puis c'est tout. Je vais garder le cacao comme ça pour le moment parce que ça m'évite d'avoir des. Enfin ça se stack en cacao et pas en chocolat. Ici je pourrais mettre une belle décoration. Carte au trésor par exemple. Comme ça j'ai. Je peux jeter un œil sur la. Ah, je peux pas poser de. Pourquoi je peux pas mettre de décor ici? Là je peux. Là je peux. Oui là je peux. Je peux pas, mais on va dire que c'est gêné par des. Là je peux pas, est-ce que je peux mettre ça par exemple? On peut rien mettre ici, mais ça sert à quoi de. Ça sert à quoi de nous donner de la place si on peut pas l'utiliser? Des conteneurs, est-ce qu'on peut mettre des choses au sol? Ah, on peut mettre des choses au sol. Donc on peut pas mettre de choses sur le mur, mais sur le sol, oui. Cette carte-là aussi. Je vais les afficher ici. Celle-là je peux pas. Je vais la mettre dans ma salle au trésor qui sera là-haut. Bon. Je m'occuperai de ça à un autre moment. Je vais juste placer ça. C'est quoi? C'est un bonhomme de neige? Oh, j'en ai déjà un, c'est dommage. Voilà, alors. J'ai toujours la rage, ça dure hyper longtemps. Je ferai ça donc une prochaine fois. Sûrement que le prochain épisode sera consacré à prendre le vaisseau un peu plus joli. Je vais couper les cases là de ce qui est nouveau. Je vais y mettre des choses. On va essayer de le décorer un peu. Peut-être poser une nouvelle caisse pour ranger mieux. On verra. Voilà, en tout cas, je m'arrête pour cette fois. Donc la prochaine fois, ça sera probablement de la décoration de vaisseau. Je vous dis donc à une prochaine pour un nouvel épisode de Starbound.